Bonsoir tout le monde, jeudi c'est vendredi 25 mai 2018. Bienvenue dans la 5e et dernière sortie Journal Mitan Journée sur Télévision Nationale d'Haïti. N'a démarré avec ça qui concerne caravane changement pour nous faire connaître président Jovenel Moïse qui était accli directeur départemental Nord-Est là, délégué Villa Kazek ak magistrat yo, visité département Nord-Est là jeudi 24 mai. Chef l'État rencontré responsable avancé USAID supporté dans quatre projets agriculture dans zone Opèche. Pas de passage li, président prend engagement pour permettre moun k'ap vive dans zone sa yo bénéficier des projets Kaipam Kleré et puis profiter fait état des lieux dans zone Madame Rose côté plus passé 50 carottes qui capote pistache ananas diri noix et la trier visite au pat campé là président terrain ligne en trou du nord dans l'idée pour comment travail cap fait dans route villa a marché chef l'état visité yon poulailler ak agritrans. L'autre dossier, président République la, Jovenel Moïse, visité jeudi 24 mai, foyer maison provinciale des sœurs salésiennes de Don Bosco, dans Carrefour-Feuille. Visite sa fête, dans occasion, fête Marie auxiliatrice. Foyer maison provinciale sœurs salésiennes Don Bosco, gué 83 l'année, dans pays. Actuellement, foyer a gué 50 timoun, qui bénéficie éducation et scolaire et formation dans quelques activités manuelles, tant que Baudry, Kouti et Poterie. Dans l'occasion, ces responsables remettent président de la République là, plusieurs cadeaux. Falant Delphine et Hervé Pierre pour un reportage. Maison provinciale c'est Salésienne Don Bosco dans Carrefour-Feuille gagne 83 l'année dans le pays à occuper Timoun qui sorti dans plusieurs régions. Actuellement, foyer a 50 timoun sous responsabilité chez sœur yo. Timoun sa yo bénéficie éducation scolaire et formation dans quelques activités manuelles tant kouti, broderie et poterie. Ces responsables qui te remettent président République la plusieurs cadeaux, dix visites ça a entré dans anal l'histoire foyer a qui toujours gen bon gens collaboration avec tout chef d'État qui passe sous pouvoir depuis 83 ans. Merci Faland et Hervé. Ministère de Défense organisé un cocktail dans la nuit mercredi 23 mai dans l'honneur membre délégation militaire technique force l'armée pays Mexique qui t'a visité Haïti sorti lundi 21 pour arriver jeudi 24 mai. Rose Vanessa Pierre et Jean Fleury pour un reportage. Soirée cocktail ça t'est occasion pour délégation militaire mexicain ça au commandant l'armée d'Haïti a Zami à quatre ministères de défense rencontrés pour discuter, manger, boire ensemble dans une ambiance conviviale. Ministre de défense là Hervé Denis expliquait l'importance sa visite délégation dans le pays. Jodel Le Sage salue coopération Zamitaï qui existait entre Haïti et pays Mexique. Il profite remercier membres délégation qui partageait avec eux en pile expérience dans ça qui gagne à ouais avec force l'armée. Dans le sens du service à la communauté. Dans le sens de la lutte contre les catastrophes naturelles, dans le sens de la surveillance de nos frontières afin que le pays puisse avoir des revenus adéquats pour lui permettre de répondre aux défis du développement, dans le sens de la lutte contre toute tentative de vouloir utiliser notre sol pour aller commettre des exactions ailleurs avec ces actes de terrorisme qui existe un peu partout à travers le monde. Donc pour toutes ces raisons, nous comptons beaucoup sur le support de l'armée mexicaine et c'est ce qui a fait l'objet des discussions que nous avons eues avec le général Sanfuegos, qui est secrétaire de la défense. Donc je vous remercie au nom de l'armée d'Haïti, au nom du gouvernement. Donc c'est avec beaucoup d'espoir que nous allons dans la suite. Tous les membres de votre délégation l'ont vécu avec nous. Ça a été un séjour magnifique. Un séjour laborieux, certainement.
un séjour agréable aussi. Nous avons plaisir de travailler ensemble. Et le ministre vient de parler de Renaissance tout à l'heure. Bon, on est dans la situation d'un bébé qui fait des pas chancelants. Et justement, vous présentez en Haïti pour nous tenir la main. Pour que dans un avenir très proche, nous puissions marcher de pas assurés. Nous vous disons donc merci. Tantamon le personnel qu'on a des Forces armées d'Haïti. Visite délégation ça rentrée dans le cadre d'un renforcement coopération militaire entre Haïti et pays Mexique. Merci Vanessa ak Fleury. L'autre dossier dans le journal là, équipe Caravane Changement dans le département l'Ouest, tombe une série travail nettoyage dans la rivière Blanche dans la commune Gantier. Une équipe télévision nationale d'Haïti visite travail au mercredi 23 mai, y a montré nous comment ça y est. John Herbie Casseus ak Wilson Idoré pour un reportage. C'est environ une vingtaine de techniciens qui mobilisés pour faire travail curage ça dans la rivière Blanche dans la commune Gantier. Dans le cadre d'opération, ça, techniciens caravane changement yo a fouillé rivière, retiré remblai et puis fait route pour doit passer normalement. Selon ingénieur yo, travail ça pral permettre l'état haïtien réduire risque inondation à glissement de terrain qui connait gain dans localité a les gain la pluie. Kounya n'a bat pour n'a travailler sur rive gauche là. Et après pour travailler sur rive droite là pour pousser un peu sur rive droite là, mais gros travail n'a fait, puis gros travail digue n'a fait, c'est sur rive gauche, parce que c'est la brèche atée qui permet de aller zone petit marché, zone petit B. Et c'est ça que fait, c'est la souligne collée là plus, n'a travaillé sous lui en attendant. Et puis tout, nous avons fait un bel travail là au niveau siphon, hein, quand on a de l'eau à traverser là, dans la rive gauche, nous sommes rive droite là, dans la rive gauche, nous avons fait un travail curage au niveau siphon, hein, et depuis hier, nous avons de l'eau, nous avons de l'eau, l'eau a descendu en bas côté pour rejoindre l'eau pour être capable de bouger. Population zone dit apprécier l'initiative de l'État haïtien prend pour nettoyer la rivière Blanche. Ils ont souhaité équipe là mettre gabion dans deux bords rivière pour empêcher de l'eau là été colle. J'ai te connait faire ça avant. C'est ça net, belle bagaille parce que ça qu'a fait là pour qu'on gagne là. Mon cher, son fierté le pour président avec nous parce que l'eau a demandé manger nous tout à fait nous. L'eau a fin prendre mon cher président les deux terres pour ta nous un petit souffle. Pendant que l'État vient, on fait travail ça à Bounon là. Le président fait travail ça à Bounon. Nous disons que nous sommes en Philippe, nous sommes contents, nous avons tout. Nettoyage vers Blanche là, rentré dans le cadre d'une série de travail. Chef l'État, Jovenel Moïse, à travers l'équipe Caravane Changement en temps main, pour permettre la population à joindre un souffle dans le problème de ces rivières à Kravine contre la cause dans le pays, dans le moment là. Après diverses opérations contrebande, administration générale douane menée, y arrivé saisi une vingtaine camions qui tap transporté marchandises contrebande dans pays qui sorti République Dominicaine. Directeur général douane Jean-Jorel Janvier annoncé gain enquête qui déjà l'ouvri pour identifier et puis poursuivre tout monde qui impliqué dans zak contrebande sa yo. Yon contredit Rachel Saint-Fort ak l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Tennis, sandales, tennis, assiettes en forme, c'est parmi diverses marchandises contrebande qui trouvaient dans poste contrôle douane Gantia suite à une opération responsable administration générale douane menée en collaboration avec l'autre instance dans l'État qui permet de arriver saisi dans la nuit 15 mai à 7 camions qui ont transporté marchandises à yo, selon le directeur général douane Jean-Jaurès Janvier. Tout camion ça a été gagné là-dedans au produit illicite qui est surveillé. Il y a là-dedans qui gagne forme, il y a là-dedans qui gagne jus, il y a là-dedans qui gagne salami et c'est des produits qui frappent d'interdiction pour ne pas passer au niveau frontière terrestre. En ce sens, nous procédons à la saisie de ces camions. La saisie s'est faite dans la nuit du 15 mai 2018. Ça veut dire que son opération nous commence à faire filature depuis 7h du soir. À partir de 1h du matin, nous commençons à gagner le premier camion. Jusqu'à ce que nous arrivions pour une nuit, là, nous saisissons 7 camions. Mais pour nous saisir, les gardiens sont en vraie guerre. C'est une bataille. Parce que ils ont tiré et sous policiers et sous douaniers. Les ont fini de tirer,
contrebandier yo là ou bataille pas trop favorable pour yo yo prend la fuite et yo quitter camion ça dans la rue. Le 10 mai nous saisi un fusil avec 4000 cartouches calibre 40, ça ne fait dans douane du port de Port-au-Prince. Dans le niveau douane mon cabrit là constat pas département côté gain environ 10 camions marchandises contrebande qui confisqué suite à qu'une autre opération même autorité ça a été lancé dans la nuit 16 17 mai 2018 là d'après directeur central AGDA Valérie Hilaire Sylvain. Et c'est dans cadre d'opération que nous avons fait conjointement avec la police frontalière nous kembe et on quantité de camions qui gagne de marchandises très importantes et près de 7 à 8 camions. Une dizaine de camions que nous avons là. Nous avons produit en styrofoam, c'est des produits interdits, nous avons des œufs, des salami, nous avons des soudures, nous avons des peintures, nous avons toutes sortes de produits. Le directeur général doit nous expliquer, nous suivons toutes les procédures légales, dans ce qui est pour nous, à camions, à marchandises, contrebande, nous saisissons. Considération légale, camion, nous faisons déjà, nous faisons saisir conservatoire d'abord et nous relayons la justice. Juge de paix, t'es venu, il fait saisir ça. Nous avons l'autre bagarre, nous allons faire. L'un fin vérifier net, nous allons faire confiscation. Puisque jusqu'à présent, le camion ça là, pas aucun monde qui réclame. L'État autorise la loi, bonne possibilité, l'un fin confiscation pour nous vendre et marchandises là et camions. C'est diverses instances dans l'État, tant que la police, la justice, la douane, secrétaire d'État, sécurité publique, ministère économie et finance, ministère commerce et industrie, qui mobilisent pour combattre corruption contrebande dans le pays. Le directeur général douane a expliqué chaque acteur déterminé pour jouer partition par eux pour lutter contre contrebande dans le pays. Dossier sécurité, directeur départemental l'Ouest, police nationale la Berson Sojour, bail explication sur climat insécurité, troisième circonscription Port-au-Prince, a fait face depuis quelques temps. Commissaire Berson Sojour annoncé qu'il y a une enquête qui déjà commencé pour arriver à identifier raison qui la cause tension dans la zone ça. Commissaire a demandé population arrêter tête frette pendant le bail garantie disposition déjà prend pour joindre une solution à problème ça. Nous invitons écoutez plus explication dans micro Louis Nelge lui avec Moïse Wilbich. Vous êtes informé de situation et rapidement disposition des temps pour que le calme soit rétabli. Donc l'ensemble des unités est mobilisé pour que le calme soit rétabli et vos quotidiens enquête après tout ça, ensemble de l'équipe de renseignement dans la RIA pour prendre pour qui ça et surtout dans notre patrouille de caoutchouc. Il faut qu'on dise que la police nationale n'est pas seule, l'ensemble de l'autre entité et le pays qui travaille. Et nous avons des informations, puisque il y a des problèmes, peut-être des malaises. Donc la police nationale d'Haïti et direction départementale a pris des mesures, puisque véritable problème dans les tirs qui sont faits. Et très bientôt, on va annoncer nous, que direction départementale a pris disposition des contrôles qui sont faits pour que nous jouions rôle par nous, pour nous commencer par arrêter des citoyens qui ont des armes illégales. Et parce que les tirs, et malgré la police pas seule, les frontières nous sont un peu poreuses, il y a des munitions qui ont rentré. Mais la direction départementale a déterminé pour jouer rôle par là, puisque nous avons des problèmes, donc on a travaillé sur ça, et les résultats ont commencé à joindre. Et on pense très bientôt, la presse a capable d'informer de résultats qui joignent. Mais sans vous connaître, que des DOA, ensemble, toute équipe, nous sommes déterminés pour nous jouer un rôle par moi. Donc, au même comme la presse, on nous dit des problèmes, et là où je suis appelé, on nous aide la police nationale, PIA, pour que nous puissions réduire violence dans la communauté, et pour que tout le monde puisse aller vers un plus commun, qui c'est assurer sécuriser la population. L'autre dossier dans le journal là, yon délégation CARICOM rentré dans le pays depuis mercredi 23 mai. Objectif visite ça, c'est travail sur un projet CARICOM a mette campé qui baptisé projet mise en place Chita sous résultat. Côté tout pays membre a bien pour participer dans projet ça. Reportage Anne-Marguerite Auguste et Hervé Pierre. Projet mis en place axé sur résultat, c'est pour arriver sensibiliser autorité en place, secteur privé et socio-professionnel là, sur une série de domaines qui a aidé pays à avancer. D'après député secrétaire général CARICOM,
Manorma Soyek Nandan qui continue à expliquer projet ça pour le permettre de mettre ensemble un groupe monde qui a évolué dans le même domaine, ça qui va faciliter le développement du domaine dans plus rapide à travers échange toute qualité pays ça yo pour l'entreprendre. Le même exemple pourrait s'appliquer à l'agriculture, pourrait s'appliquer aux énergies renouvelables, le même exemple pourrait s'appliquer dans n'importe quel autre secteur énergétique. Donc, les gens en Haïti, que ce soit la population, que ce soit les gouvernements, que ce soit les ministres, ils pourront en bénéficier en commençant par l'action qu'ils font pour pouvoir arriver au résultat final. Donc, tout au long du processus, ils pourront continuellement suivre et évaluer sur une base continue les actions qui sont en train d'être faites afin de pouvoir arriver au résultat escompté. Projet ça considéré comme une feuille de route pour intégration paiement marché commun Caraïbes là. Directeur stratégie management là Greg Beresford fait qu'on ait mis en place accès sur résultat pour encourager responsable yo fait plus d'efforts pour développer quelques domaines qui importants tant que éducation, agriculture, santé. Strategic plan can be forwarded. Et cela va permettre que tous les progrès réalisés dans le cadre de ce système soient suivis afin que tout un chacun puisse bénéficier de ce système. Haïti aura accès à d'autres marchés au sein de la région Caraïbes. Et plus Haïti deviendra compétitive, ils seront capables d'intégrer l'économie mondiale. For us to achieve certain specific objectives. Projet mis en place axé sur résultat pour apporter un pile bénéfice pour Haïti parce que il déjà gagné une ressource humaine compétente capable de profiter tout avantage progrès ça a offri d'après député secrétaire général CARICOM Nan. Merci Anne ak Hervé. Ministre haïtien Cap Vive l'autre bord de l'eau, Guy André François accueilli jeudi 24 mai, yon délégation association infirmière haïtiano-américaine qui sorti dans l'État Floride dans pays États-Unis. Visite délégation ça dans le pays d'Haïti, rentrée dans cadre mission pour accompagner divers l'hôpital public et privé, nan bayo matériel médical et puis permettre plusieurs jeunes cap étudier sciences infirmières bénéficier formation et stage dans l'hôpital pays étranger. Yon reportage c'est quoi pas qui ak Fresnel Toussaint. Mission principale association infirmière haïtiano-américaine nan c'est renforcer l'hôpital public ak privé yo nan permettre bénéficier matériel médical, installer plusieurs cliniques nan région reculée yo et puis permettre divers jeunes cap étudier sans infirmière bénéficier stage dans l'hôpital États-Unis d'après explication responsable Anayo. Différents niveaux que ça n'a fait. Gain niveau, c'est l'hôpital, nous partenons avec l'hôpital, nous partenons avec Primary Care Haiti qui est dans l'hôpital de Pignon, nous partenons avec Ophelin qui est dans Jacques Melio, nous partenons avec Clinique pour nous voir qui ça a besoin, chaque lettre a fini, qui ça pour nous venir pour nous venir attaquer, pour nous résoudre le problème. So, ça dépend. Nous prenons tout le monde qui sort ici, nous menons au Floride, les arrivés pour une semaine ou bien deux semaines, ça y fait. Nous menons dans l'hôpital, nous parlons avec l'autre leçon infirmière. Il y a dans l'école qui a l'autre lab, simulation lab, que vous pratiquez, vous faites. Vous venez dans côté de notre travail. Nous menons dans différents dans ça, côté que nous menons dans le dialysis center. Nous faisons cours pour vous-même, parce que ma amie Dede offre nous salle, que nous faisons leadership cours, nous faisons un cours pour un sous-infection. Nous avons un CPR card. Pendant deux ans, l'MT président, je recevoir plus que 600 élèves. Ministre haïtien qui a vu l'autre bord de l'eau, Guy André François, qui a recevoir délégation ça, fait connaître. Ministère l'a dirigé a pris engagement pour accompagner toute association dans la diaspora qui travaille pour renforcer l'économie pays. C'est peut-être ça, ministère des haïtiens vivant à l'étranger, été créé. C'est dans le but d'assister, d'informer et d'accompagner et les haïtiens vivant à l'étranger, particulièrement association yo, élu yo, parce que de jour en jour, on a bien élu dans plusieurs zones. Et donc, c'est ça que nous avons fait aujourd'hui, un côté
et nous là pour assister côté et m'a dit que commissionnaire a dit gain un ministre des haïtiens vivant à l'étranger qui tombe dans critère moins qui vient accompagner lui et pour nous balle assistance au niveau du gouvernement parce que vision et président Jovenel Moïse avec et premier ministre Jacques Lafontan c'est d'intégrer la diaspora qui veut dire l'intégration de la diaspora et semaine dernière moi été monté et Miami et côté nous t'aller nous premièrement nous t'ai quitté en carrière pour nous célébrer drapeau dans la zone sud Floride côté nous t'ai participé dans compa festival côté nous t'ai rencontré les différents associations professionnelles telles que chambre de commerce association infirmière association des avocats côté nous gain un mouvement que nous lancé qui est caravane changement arrivé sous diaspora ça veut dire caravane changement arrivé sous diaspora qui veut dire que et dans le développement, dans la vision du président Jovenel Moïse avec le Premier ministre Lafontan, c'est les infrastructures qui a mis sur pied dans 10 départements. Donc moi-même, Wall Pamain, c'est pour aller vers la diaspora, montrer ce que le gouvernement a fait, et me dire que vous-même, c'est pour participer dans le développement et différents 10 départements. Association infirmière haïtiano-américaine gagne 34 l'année depuis la portée assistance par divers hôpitaux avec l'école infirmière dans le pays. Délégation ça a gagné pour quitter le pays d'Haïti lundi 28 mai qu'a venir là. Institut national ak formation professionnelle INFP signé jeudi 24 mai a des accords yon ak organisation internationale travail et puis l'autre là ak centre interaméricaine formation professionnelle accord sa yo pral augmenter capacité INFP dans cadre formation professionnelle jeunes kap vive dans milieu rural yo. Anne Marguerite Auguste ak Hervé Pierre pour un reportage. Si tu as commencé à viser développer et exécuter activité formation et échange expérience et puis transfert connaissance dans le domaine formation professionnelle méthodologie sous formation formateur compétences pour travail entrepreneuriat et gestion entreprise. Fabrice Leclerc, coordonnateur programme Bureau international travail pour Haïti, expliquait projet à Consayo qui évalue à plus de 30 000 dollars américains pour permettre INFP élargir quatre formations dans l'autre domaine cap utile marché. Les compétences pour le travail, l'entrepreneuriat et la gestion d'entreprise. Donc c'est sur tous ces domaines-là que porte la convention qui vient d'être signée entre l'OIT Sinterfor, qui est l'organisme de formation professionnelle des Amériques, de l'Organisation internationale du travail, et l'Institut national de formation professionnelle d'Haïti, afin de pouvoir renforcer les compétences de cette institution et les préparer aux défis des stratégies qui ont été présentées par Mme Maggie Durcet pour 2017 à 2027. Directrice générale INFPA, Maggie Jossé, salue l'accompagnement OIT Center for by Institution la dirigée. Li fait connait pour qu'on ait la formation professionnelle considérée comme un moteur développement pays. DG INFPA encourage jeunes yo former tête yo apprendre un métier parce que formation c'est un moyen clé pour assurer avenir yo. Améliorer la qualité et améliorer l'offre aussi parce que en intervenant sur les deux axes prioritaires de l'axe du plan d'action de l'INFP, c'est faire que les jeunes soient plus intéressés à la formation professionnelle d'une part, leur donner dans un deuxième temps une qualité de la formation à travers les formateurs que nous allons former, à travers de nouveaux programmes que nous allons mettre sur place. Par exemple, si nous prenons l'entrepreneuriat comme nouvelle filière, on peut dire que c'est l'OIT et Sinterfor qui, à eux deux, ont mis en place avec l'INFP cette nouvelle filière pour toutes les écoles professionnelles, pour le niveau professionnel de manière générale. Donc, ce qui fait qu'un entrepreneur qui va sortir de l'école professionnelle parce qu'il a eu un programme de cours d'entrepreneuriat, donc quelque part, il va y avoir et cette valeur ajoutée que maintenant la formation professionnelle demande en termes de modernisation. Pendant la cérémonie signature à Koyo, directrice générale INFPA a profité de présenter différentes étapes à plan institution la dirigée à gagner dans le cadre de formation professionnelle là.
Merci Anne et Hervé. Moment arrivé, les amis téléspectateurs, pour nous observer une courte pause dans le journal là. Pas déplacé, n'a pas tourné tout à l'heure. Dans la page internationale, là, dans le pays Venezuela, Nicolas Maduro prêté serment jeudi 24 mai 2018. Là. Deuxième mandat actuel chef de l'État vénézuélien a commencé mois janvier 2019. Nous invitons à suivre. Pour la fête. 4 jours après l'élection, Nicolas Maduro prêté serment comme président pays Venezuela jeudi 24 mai 2018. Là. Après une cérémonie qui déroulait devant l'Assemblée constituante, le président vénézuélien a rendu dans le ministère de défense pour recevoir réaffirmation, loyauté et un soutien qui est essentiel pour le chef de l'État vénézuélien. Le président vénézuélien a déjà annoncé l'arrestation d'un groupe militaire sans préciser gradio. D'après président Maduro, M. Sayo a participé dans un complot États-Unis à Colombie et a mis sous pied dans l'objectif pour camper l'élection. Le président vénézuélien réélu à presque 68% de suffrages pour un mandat 6 l'année. Mandat sa effectif en janvier 2019. Dans la page Esport, n'a pas le football. AS Capoise fait match nul 0-0 avec AS Mirbalet. Aïe jeudi 24 mai 2018, là, dans Pac Bayas, dans l'occasion finale à les playoffs, série à les championnat national football première division. Match retour a fait dimanche 27 mai, Cap Vinila, au Cap Haïtien. À l'étranger, Ligue des Champions, Real Madrid, Liverpool, c'est prêt à la grande finale compétition ça pour saison 2018, là. Cap fait à Kiev, en Ukraine, samedi 26 mai, à 2h45, non, après-midi. Nous invitons à suivre. Grande finale, c'est ouverture championnat national football première division 1. Mettez face pour face AS Capoise qui définit en première position dans la phase régulière avec Association Sportive Mibale qui lui-même te fini deuxième. De formation Sayo, t'es exempt de premier tour playoff yo. Et dans demi-finale, AS a été éliminé Baltimore 0-0 à l'aller, Yongola 0 dans match retour. AS Mibale, beaucoup de palis, t'es mettez dehors Tempête Football Club 1-1 dans Parc Level Saint-Marc, 2-0 dans Parc Bayas. Pour premier match final play-off c'est ouverture qui déroulé journée jeudi 24 mai 2018 là, ASM et ASC fait match 0-0 dans Parc Bayas Mibale. Ça qui quitte série A bien ouvert avant match retour dimanche 27 mai dans Parc Saint-Victor Cap-Haïtien. Basketball journée dimanche 27 mai 2018 là, c'est pour le premier match série finale 10e édition championnat corporatif basketball là entre Apollo All-Stars et Dirimega. Match qui est programmé à 5h30 dans centre formation classique la Babiole. Pour arriver dans la finale là, Apollo All-Stars a gagné tout match li joué dans premier tour et dans demi-finale, Blanc et Rouge ont éliminé Doyen Soji Bank 2-0. C'est pratiquement même 4 figures là pour l'équipe Dirimega qui seulement perdit 2 matchs dans premier tour et qui passait un coup de balai à l'Office National Assurance VS ONA 2-0 dans demi-finale. Finale HBAC là à Nessa va dérouler sur une série 3 matchs 27 mai, 2 juin et 9 juin. Équipe qui remportait 2 premiers matchs a tout sacré champion compétition. Président de la République, la Jovenel Moïse, visite jeudi 24 mai à Foyer Maison Provinciale, c'est Salésienne Don Bosco et dans Canfoufeuille. Visite sa fête dans l'occasion fête Marie Auxiliatrice, patronne Salésienne. Équipe Caravane Changement dans le département l'Ouest, quand même une série de travail nettoyage dans la rivière Blanche, dans la commune d'Oitier. Une équipe télévision a été sous place, n'a bien plus de détails dans le journal là. Dans un arrêté communal limité dehors, mairie Port-au-Prince annonce une amende de 10 000 à 50 000 gouttes contre tout le monde à l'entreprise qui a jeté fatra dans la rue. À l'étranger, chef de l'État vénézuélien Nicolas Maduro prête serment pour un deuxième mandat dans le pays. Dans le sport local, n'a pas le football, AS Capoise fait match nul 0-0 à AS Mirbalet hier jeudi 24 mai dans le paquet Bayas dans l'occasion finale aller play-off championnat national première division 1. Voilà, amis téléspectateurs, journal live dans Boutli. Nous te prenons pile plaisir pour informer. Nous invitons à rester branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre la programmation. Bon week-end. Bye bye tout le monde.